Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous voilà dans la grande mosquée de Reims, Inch'Allah, pour nouer ce contact avec nos fidèles, Inch'Allah ta'ala, sur Reims ainsi que ses alentours. Sachant qu'on a déjà, bien sûr, une dérogation pour qu'on puisse se déplacer après avoir rompu notre jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, de vous, nos prières, nos actes d'adoration, notre jeûne, ainsi que nos demandes, Inch'Allah ta'ala. Donc là, on va passer quelque temps, Inch'Allah, ensemble. Notre cheikh Sa'ama va nous rejoindre dans une demi-heure, Inch'Allah, l'alamin. Donc voilà, on va commencer, Inch'Allah, notre soirée par la plus belle des paroles, à savoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une récitation de la part de notre frère Hussam. Inch'Allah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wala takunu kalladhina nasullaha fa'ansahum anfusahum أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين الحمد لله رب العالمين وكان شاء الله تعالى mes frères et sœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Nous sommes, comme vous le savez, donc في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك, donc cette troisième décade inshallah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous garde et nous préserve inshallah jusqu'au jour, ou plutôt jusqu'à cette nuit, la nuit du destin inshallah. Allahumma ballighna laylat al-qadr. Amin, amin, amin. Comme vous le savez, donc là, laylat al-qadr, donc il faut, comme le prophète alayhi salatu wasalam قال, il tamisoha, donc là il faut aller la chercher tout simplement dans les veillées impaires inshallah, à commencer par demain soir inshallah rabbil alamin. Allahumma ballighna. Amin, amin, amin. Donc là, durant cette petite heure qu'on va, inshallah, partager ensemble, on va vous présenter, inshallah, quelques activités que la grande mosquée de Reims a menées et en train de mener, et va, inshallah, finir, ainsi que nos ambitions pour ce mois béni, pour cette fin de ce mois, et aussi pour les semaines à venir, inshallah ta'ala, tout simplement pour vous ouvrir les portes de la bienfaisance, les portes de bienfaits, inshallah, pour que tous les fidèles et toutes nos fidèles en profitent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Allahumma waffiqna ya rabbal alamin. Donc inshallah, je vais laisser inshallah la parole à chaque membre autour de moi, inshallah, comme ça pour se présenter en même temps, donner une petite, voilà, une petite allocution, inshallah, rabbal alamin. En commençant par mon cher frère Mohamed Mouzagou, le président de l'AMSIR, de la grande mosquée de Reims, inshallah. Bismillah, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, al-Khidris. Chers frères, chères sœurs, chers fidèles, je tiens à vous saluer par le meilleur des saluts. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter un excellent mois de Ramadan, en espérant, inshallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée votre jeûne, agrée vos prières, vos invocations, ainsi que tous vos bienfaits pendant ce mois béni de Ramadan. Barakallahu fik. Bismillah. Akhouna Rachid, s'il peut se présenter, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan Mubarak Saïd à tous les Rémois, toutes les Rémoises et à tous les frères et sœurs musulmans qui nous suivent actuellement. On vous souhaite, Inch'Allah, qu'Allah agrée notre jeûne, toutes les actions et une pensée particulière à nos frères et sœurs qui sont actuellement malades. Une pensée aussi à nos frères et sœurs qui sont détenus. Et Inch'Allah, une pensée à nos frères et sœurs qui sont derrière les caméras et qui, grâce à qui on a pu organiser cette soirée. Barakallahu fikoum. بسم الله أخونا خالد بياف إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, c'est un honneur pour moi de souhaiter un bon Ramadan à tous les fidèles et toutes les fidèles de Reims et aux alentours, et Ramadan Mubarak Saïd à tout le monde. Donc je suis Elbiach Khalil, le trésorier de la grande mosquée de Reims, et je suis très heureux de partager ce moment avec tous les fidèles, tout en souhaitant bien sûr qu'Allah accepte toutes les actions, toutes nos actions, Inch'Allah, et qu'Allah nous réunisse au Al-Firdaus, Inch'Allah. Amin, amin. Barakallahu fik, barakallahu fik. Donc là, ce que je vois autour de moi, donc c'est les responsables de notre belle mosquée, c'est-à-dire les membres du bureau. Donc, je me suis présenté, donc je suis le vice-trésorier. Voilà. Donc, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, donc là, nous a mis à ce poste, ou bien à ces postes, pour gérer, pour être derrière la gestion, inchallah, de cette belle mosquée, de cette belle, ce beau bâtiment, alhamdoulilah, rabbil alamin. Et c'est grâce à vous, mes chers fidèles, qu'on avance et qu'on est là. Donc,
Concernant les activités, donc on va essayer un petit peu de faire un tour comme ça pour vous présenter les activités que la Grande Mosquée de Reims mène, gère, bien sûr, avec l'aide. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala n'oubliera personne, mais il faut savoir, il y a une très belle parole. Donc, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on est reconnaissant et on remercie grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à nos commerçants, grâce à nos fidèles, grâce aux donateurs qui donnent sans compter. Et ça, on est là pour témoigner, mais Allah subhanahu wa ta'ala est le premier témoin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et c'est pour ça qu'on est là, comme je l'ai dit dans mon intro, cette petite heure qu'on va passer ensemble, présenter les activités, les mettre en valeur, parce qu'on ne se met pas en valeur. Il y a des fois, bon, parce que il y a cette pudeur, hein, on n'ose pas trop, mais il faut savoir, alhamdulillah, 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 on doit être fier. On doit être fier de nos fidèles, on doit être fier de vous, hein, qui nous regardez tous les jours, lors de ces interventions, etc., une demi-heure avant la rupture du jeûne. Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim, Allah subhanahu wa ta'ala, itqabbal minkum fa hadha al-yawm al-kareem fa hadha al-layla inshallah al-Azima. Donc il y a pas mal d'activités. Moi je vais juste parler d'une activité, bon, peut-être parce que je suis derrière avec d'autres frères, hein, à savoir Hajj Halloumi, le frère Ibrahim Guedidi et d'autres frères. Concernant les détenus, parce que le frère Rachid tout à l'heure a parlé des détenus qui sont derrière les barreaux, nos enfants, nos frères, nos petits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soulage, inshallah ta'ala, parce que personne n'échappe ou bien personne n'est à l'abri à l'erreur. Bon, bref, peu importe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les juge. Mais quand on se déplace, quand on les visite dans les prisons, que ce soit Chalon, Lens ou bien Reims, et quand on leur ramène ce que vous donnez, vous, franchement, vous ne pouvez pas imaginer la joie. La joie, pourquoi ? Parce que ça montre qu'il y a des gens derrière, il y a des gens à l'extérieur qui pensent à eux. Avec les colis qu'on prépare, etc., alhamdoulilah. Et je suis témoin parce que il y a des mamans, il y a des sœurs, il y a des papas, il y a des frères qui mettent la main à la pâte, comme on dit. Donc là, ils préparent, les mamans, les sœurs qui préparent à manger, des gâteaux, des crêpes, etc., etc., subhanallah, c'est incroyable, des commerçants qui nous donnent des palettes et des palettes, gratuitement, on ne parle même pas de dates, de boissons, etc., subhanallah, le khair, le baraka, parce que subhanallah, c'est vrai, le khair, le baraka, l'ihsan, donc c'est un mois de partage, comme l'a dit le prophète, et ça on le voit, et c'est grâce à vous, et c'est pour ça, dans cette petite heure, on va faire rappel à vous, bien sûr, encore et encore et encore. On ne va pas vous lâcher. Pourquoi ? Parce qu'on veut vous du bien. Hein ? Ce n'est pas pour vous harceler, ce n'est pas pour vous embêter, mais non. Hachalillah. Hein ? On est là, c'est tout simplement pour vous dire que, alhamdoulilah, les portes sont encore ouvertes. Hein ? Il faut savoir, avec cette pandémie, donc là, plus d'un an, on a eu pas mal de soucis, pas mal de problèmes, on va y revenir, hein, tout à l'heure, concernant cela, mais on est là, c'est pour laisser cette porte ouverte de la bienfaisance pour avoir, inshallah, l'ajr al-hasanat pour vous et pour aussi vos proches et vos enfants plus tard, inshallah, bl'alamin. Voilà, donc là, moi, j'ai présenté en bref cette activité. Quand on prépare des centaines de colis, alhamdulillah, bl'alamin, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à vous, à votre participation. Et continuez comme ça, inshallah, bl'alamin. Mohamed, si tu veux rajouter quelque chose, Inch'Allah. Tu as parlé tout à l'heure de cette belle mosquée. Effectivement, nous essayons d'être à la hauteur et d'honorer surtout ce magnifique et ce bel édifice qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à notre disposition. Et c'est une fierté, comme tu l'as dit, Khidris. Wallahi, c'est une fierté d'avoir enfin pu voir ce projet se réaliser dans notre ville rémoise. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Par rapport aux activités, je vais surtout parler de... Je vais faire un focus surtout sur les activités, bien sûr, de
de ce mois béni de Ramadan. Et bien sûr, le lier à cette crise de coronavirus. Cette pandémie, je dirais même de coronavirus, comme vous le savez, a mis en grande difficulté de nombreuses personnes. Et aussi les mosquées. Comme vous le savez, les mosquées ont été également impactées par cette crise. Mais nous ne pouvions pas rester les bras croisés. En tant qu'être humain, et surtout en tant que musulman, avec notre éthique, nous ne pouvions pas rester les bras croisés et nous devions faire quelque chose pour aider nos frères en difficulté. Et nous avons commencé par aider nos frères et sœurs étudiants. Donc l'action que nous avons appelée l'action de soutien et d'aide aux étudiants, donc qui a commencé il y a quelques mois maintenant. Et donc cette action, alhamdoulilah, a permis à nos frères et sœurs étudiantes de pouvoir bénéficier d'une aide, je dirais symbolique, sous forme de colis, avec des produits de première nécessité et quelques produits d'hygiène. Alhamdoulilah, les frères et sœurs étudiants et étudiantes ont été ravis de recevoir ces colis. Et en tout cas, à travers eux, je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre contribution, pour votre générosité. Et sachez que les étudiants ne vous oublieront pas dans leurs invocations. Donc la grande mosquée de Reims a voulu, je dirais, être le trait d'union entre les donateurs et les bénéficiaires ou les nécessiteux. Et suite à cette action des étudiants, d'aide de soutien aux étudiants, la Grande Mosquée de Reims, dans cette continuité, a mis en place ce qu'on appelle l'épicerie Solidon. Donc cette épicerie, on peut parler d'une épicerie sociale, ou plutôt d'une épicerie solidaire. L'idée, donc, nous vient de notre commission, donc la commission Affaires sociales et humanitaires, avec un seul objectif, c'était de lutter, bien sûr, contre l'exclusion, mais également de lutter contre le gaspillage, et aussi essayer de structurer et de coordonner les activités collectives, car comme vous le savez, cette aide aux étudiants, aux personnes modestes, beaucoup ou de nombreuses associations, alhamdoulilah, ont participé à travers leurs bénévoles. Et là aussi, on profite de cette occasion pour les remercier sincèrement et chaleureusement. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voulais surtout vous remercier. Remercier vous en tant que donateur, car sans vous, les actions ne pourront pas se réaliser. Donc on compte sur vous et on comptera toujours sur votre générosité, votre contribution. Barakallahu fikum, Allah yajazakum bi khair. Et je tiens également à remercier tous les bénévoles. Les bénévoles, donc les frères et les sœurs, qui sont derrière les différentes actions et qui sont, je dirais, dévoués, alhamdoulilah, qui ne comptent pas le temps qu'il passe afin de pouvoir réaliser les différentes actions. Donc là aussi, je les remercie et nous les remercions sincèrement. Barakallahu fikoum. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Et nous allons donner la parole, inshallah. Apparemment, l'imam vient de nous rejoindre. Akhidris. Donc là, parce que là, comme je l'ai annoncé au début, notre cher Saouma va se rejoindre à nous, Inch'Allah. On va lui donner la parole aussi. Bismillah.
السلام عليكم. يلو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني أخواتي في الله في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال، وحشرنا جميعا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مشيخ فريسة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières, notre lecture du Coran et toutes nos œuvres en général. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. هذا الشهر الكريم، الله شرف هذا الشهر الكريم بكثير من التشريفات، شرفه بالصيام وهو ميزته وخاصته، شرفه بنزول القرآن، شرفه يعني بهذه يعني العشر، شرفه بليلة القدر التي هي في هذه العشر. Inch'Allah, nous allons accueillir à partir de demain, yani les 10 derniers jours, ou bien les 10 dernières nuits, et c'est les meilleurs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ce mois béni par beaucoup de choses. Il a honoré par yani le jeûne, il a honoré par la descente du Coran, et aussi par ces 10 derniers jours, qui sont les meilleures yani les nuits de l'année, yani les 10 dernières nuits. فهي عشر مباركات فيها من الخير والبركة ما ليس فيها، وعشرون كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بها ويهتم بها أي اهتمام، كما جاءت به الأحاديث، إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. Donc comme je dis, c'est les meilleures nuits de يعني de l'année, ces 10 dernières nuits, ce qui montre يعني l'importance, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم il fait toujours l'effort pendant toute l'année, mais dans le mois de Ramadan, il multiplie les efforts. Et quand ces dernières nuits-là, alors là, c'est là, il ne dort pas, il ne dort pas la nuit. Comme dans les hadiths, quand ces 10 dernières nuits arrivaient, le prophète s'est passé sa nuit dans l'adoration, il réveille sa famille, redouble ses efforts, il serrait son isar. Donc ça montre yani, l'importance yani, de ces nuits bénies, yani, les nuits de yani, l'Ash al-Awakhir, yani, les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc fa Saïd, من اغتنم هذه الأيام
المباركات ونافس في الطاعات، الصلاة والصدقات وذكر الذكر، تلاوة القرآن إلى آخره. أبواب الخير كثيرة يعني متنوعة، فيجتهد في هذه الليالي المباركات، فعسى أن يصيب نفحة وبركة يكتب الله له بها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فأحيوا هذه يعني الليالي المباركات بقلوب خائفة راجية، بآذان واعية، يعني العيون باكية، واطلبوا من الله سبحانه وتعالى الغفران، واطلبوا منه يعني بهمة العالية يعني الجنة الغالية. Donc j'ai dit que يعني le bienheureux يعني celui qui pendant ces 10 dernières nuits il fait du bien, il fait les prières, il lit يعني le Coran. Les portes de bien sont nombreuses. يعني renouvelé يعني sa foi et son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lit le Coran, il s'accroche يعني au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يعني il donne des sadaqat, surtout يعني comme on l'a dit plusieurs fois, ce mois béni s'y connaît par deux choses: la lecture du Coran et les donations. يعني donner يعني pour Allah subhanahu يعني wa ta'ala, donner pour votre mosquée. Et le n'a besoin donné pour les étudiants, pour les nécessiteux. Allah subhanahu wa ta'ala, la yudhi'u ajra al-muhsinin. Qala Allah ta'ala, inna al-musaddiqina wal-musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajran karim. Ayyu hafiz lis-sadaqa awqa' wa a'maq min shu'ur al-mu'ti أنه يقرض الله سبحانه وتعالى الغني، الله غني حميد ويطلب منك يعني أن تقرضه. يعني حينما تعطي الصدقة فإنك تتعامل مع مالك الملك الغني، فكن على يقين بأن ما تنفقه سيخلفه الله سبحانه وتعالى ويضاعفه لك في الدنيا ولك بعد ذلك أجر كريم. Donc j'ai dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant de des aumônes, des sadaqat, des donations. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim, إن المصدقين والمصدقات, يعني ceux et celles qui font la charité et qui ont fait Allah subhanahu wa ta'ala un prêt sincère, il leur sera multiplié sincèrement. Et dans ce bas monde, ils auront une généreuse récompense dans l'autre monde. Donc, quel motif pour le monde a plus du fait que le fait que celui qui donne le monde ressent qu'il prête de l'argent à qui? Aux riches. Subhanahu wa ta'ala. Quand il donne, tu prêtes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça ils disent que quand Aïcha radiallahu anha, ils vont donner des sadaqas, ils mettent le parfum. Ils disent, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, il tombe de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala avant la main de celui yani qui la reçoit. Donc soyez sûr, tout ce que vous donnez, Allah subhanahu wa ta'ala va, il va donner la baraka, il va vous donner de l'argent ici. Rien à craindre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et toute dépense
que vous faites don bien, il la remplace. Et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, le meilleur des donateurs. Inch'Allah, ça va venir des autres pour ne pas prendre la parole tout seul. Ça va être, Inch'Allah, les occasions pour parler, Inch'Allah. Donc, il faut bien profiter de ces derniers nuits, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, et dans la lecture du Coran, dans les rappels, dans des du'as, dans et Allah, subhanahu wa ta'ala, il va vous récompenser, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Savoir, mes chers frères et sœurs, que vous pouvez, Inch'Allah ta'ala, nous envoyer vos questions, vos messages, etc. Donc, juste, voilà, parmi les messages qu'on a reçus, subhanallah, franchement, on ne se rend pas compte, et ça fait vraiment très, 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 très plaisir, et ça fait chaud au cœur, quand on voit un message d'un fidèle qui dit, bon, grâce à vous, c'est vrai, grâce à Allah et grâce à nous, on va dire ça comme ça, il a appris à lire, subhanallah. Et ça, c'est vrai, donc, tout à l'heure, le frère Al-Kubir, donc là, nous a fait ce rappel, c'est vrai. On imagine des dizaines, des centaines, bien sûr, là, ça, il faut le dire. Parce qu'on n'ose pas, à chaque fois, valoriser nos activités ici. Et là, on voit, à travers les messages, voilà. Je voudrais, en même temps, donc, Inch'Allah, donc là, vous signaler, mes chers fidèles, que vous pouvez, Inch'Allah, donc là, nous contacter ou bien comme il l'a annoncé concernant le sadaqat, etc. Donc là, soit vous trouverez de toute façon nos coordonnées bancaires ou sinon par PayPal ou sinon vous pouvez nous contacter au numéro donc 06. Je vais vous le donner, pardon, c'est bon, ça c'est le direct, hein, 06 05 69 72 52. Inch'Allah, je le rappelle, 06 05 59 72 52, on sera là et vous pouvez aussi nous contacter pour poser vos questions et pour échanger avec nous, Inch'Allah. Donc là, sans plus tarder, je vais, Inch'Allah, donner la parole à mon frère donc, Khaled El-Biyesh en tant que trésorier pour la suite de nos activités au sein de notre grande mosquée Amsir. Bismillah, Khaled. Barakallahu fik, bismillah, rahman rahim. Donc avant d'entamer cette partie, j'ai une petite pensée quand même, une grande pensée à nos anciens qui ont œuvré déjà depuis des années à la construction des anciennes mosquées. Et puis une pensée surtout aux gens, aux frères qui ont donné de leur temps et de leur argent et qui sont décédés et qui n'ont même pas pu quand même... vivre ce qu'on vit nous dans cet édifice magnifique qu'Allah les enveloppe dans sa miséricorde. Amen. Donc concernant le programme de Iftar Saïm pendant ce mois béni, il y a trois repas qui sont distribués le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc plus de 300 repas sont livrés directement chez les étudiants. Donc, et on essaie de varier bien sûr les repas, hein, le lundi, le mercredi et le vendredi. Le samedi et le dimanche, il n'y a pas de distribution de repas parce que c'est là où l'action de l'épicerie sociale Solidon travaille. Donc elle reçoit les étudiants à partir de 14h30 jusqu'à 18h30 le samedi et les dimanches. Donc c'est les étudiants qui se déplacent à l'épicerie Solidon pour faire leurs courses gratuitement, bien sûr grâce à vos dons. Barakallahu fikoum et qu'Allah accepte
nos actions et vos dons. Jazakumullahu khayran anna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Bismillah. Akhi, bon, Rachid, Inch'Allah, en tant que secrétaire et en même temps donc, responsable d'une des activités de la grande mosquée de Reims, Inch'Allah, je vais laisser la parole pour nous la présenter, Inch'Allah. Barakallahu fik. Comment ça se passe donc là pour cette activité, pour l'accueil? Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Donc avant de commencer à présenter le pôle accueil, qui est une des activités parmi tant d'autres au sein de la Grande Mosquée de Reims, comme l'a dit notre président Mohamed, je tiens aussi à remercier tous les bénévoles qui participent tout au long de l'année à la vie et à l'entretien et à toutes les activités, grâce à qui sans eux les activités ne pourraient pas se faire. Donc on a plus d'une centaine de bénévoles, qu'Allah les récompense, Inch'Allah. On sait qu'ils font des sacrifices en termes de temps, qu'ils prennent sur leur temps, sur leur temps de famille, sur leur temps professionnel. Tous les bénévoles, on ne va pas citer les noms parce qu'on aurait pris longtemps, mais qu'Allah, Inch'Allah, agrée leurs actions, Inch'Allah, et les protège, Inch'Allah. Donc pour en revenir au pôle accueil, donc c'est un pôle qui a été mis en place au sein de la Grande Mosquée de Reims, tout de suite après l'ouverture de ce bel édifice qu'Allah nous a accordé. L'objectif de ce pôle accueil, c'est de permettre aux non-musulmans, surtout, de venir à la mosquée, parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut accueillir tout le monde dans des conditions et dans un certain niveau de confort, et alhamdoulilah, ça se passe très bien. Donc c'est des visites qui sont programmées tout au long de l'année. Bien sûr, on n'en a pas fait pendant la crise sanitaire, elles se sont arrêtées en février 2020, mais Inch'Allah, on espère que Allah nous lève cette crise sanitaire, Inch'Allah, qu'on puisse reprendre cette activité. Donc les visites se font, leur objectif, pardon, c'est surtout d'échanger, de donner des explications sur certaines thématiques de l'islam, parce que les non-musulmans viennent avec des questions. Ils viennent visiter, c'est vrai, notre bel édifice, mais ils viennent aussi pour poser des questions. Et alhamdoulilah, depuis plus de 6 ans, on participe aussi aux Journées européennes du patrimoine. Et alhamdoulilah, on peut être fier, encore une fois, grâce aux bénévoles, grâce à Allah aussi, qui nous a comblés de ce bel édifice. Ne serait-ce que sur Reims, deux fois, parmi les 6 fois où on a participé, on a été le monument le plus visité sur Reims. Donc ça, c'est une fierté. C'est une fierté en tant que musulman, en tant que Rémois, d'avoir notre mosquée étant l'un des sites les plus visités. Donc encore une fois, un grand merci à tous les bénévoles. Et je cède la parole à notre frère Nils. Barakallahu fik. Jazak bikhair. Donc Inch'Allah, on continue. Donc là, bon, il y a notre frère Abdelkader Qatbi qui vient de nous rejoindre. Je vais quand même le présenter et après lui donner la parole. Donc, alhamdoulilah, notre frère, donc là, comme il l'a signalé tout à l'heure, Khouna Khalid El-Biyach, concernant nos anciens, donc on ne peut pas les oublier. Ce n'est pas un ancien, c'est un jeune ancien, si on peut dire ça comme ça. Donc, ex-recteur, ex-président, actuellement donc directeur de l'ANF, il faut savoir, et c'est un tolier, alhamdoulilah, et on est fiers de l'avoir parmi nous. Et de l'avoir ici, hein, il faut le savoir, Allah Jazza Bikhair, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, agrée ses œuvres, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve sa famille et ses enfants grâce à ça, donc là, à cet effort. Donc là, il a fait vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Il faut savoir, alhamdoulilah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et aussi à ses efforts. Hein, donc il était le contact, bien sûr, avec les. Nos premiers bienfaiteurs pour la construction de cet édifice, hein, il faut le savoir, avec ses voyages réguliers, 2-3 semaines chaque fois, pour aller chercher les bienfaiteurs de l'autre côté de l'Atlantique, hein, si on peut dire ça comme ça. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, donc là, il a réussi cette mission. Barakallahu fi Allah jazza bikhair. Donc, je vais, Inch'Allah, sans plus tarder, lui laisser la parole pour qu'il nous parle un petit peu, qu'il aussi vous booste un petit peu, hein, parce qu'on a besoin. Parce que c'est vrai, là, tout à l'heure, au départ, donc là, quand on a commencé à parler d'activité, et aussi j'ai parlé d'ambition, ou bien de nos ambitions, Inch'Allah, pour cette fin de Ramadan, et même pour les semaines à venir. Il faut savoir que les activités derrière, ça demande
de l'argent. Ça demande vos participations. Et c'est pour ça qu'on vous laisse toujours cette porte ouverte pour venir, Inch'Allah, faire don, Inch'Allah, pour l'alamin. Bismillah, Abdel Kabir. Barakallahu fik, ya Khidris. Bismillah, marahim, salatu wassalam, wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man wala. الشكر موصول لإخواننا طبعا القائمين على هذه الحلقة والطاقم التقني وكذلك الإخوة يعني أعضاء المكتب donc un grand remerciement donc à nos frères qui sont aujourd'hui dans la régie qui assure le côté technique et également donc les membres du bureau exécutif de l'AMSIR et comme ça a été dit tout à l'heure par notre frère Khalid يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله donc celui qui ne remercie pas les gens ne rend pas grâce à Allah Azza wa Jal. Vos frères qui sont aujourd'hui dans la responsabilité, je suis passé par cette responsabilité, parfois qui est très lourde, je dirais très lourde de sens et en même temps très lourde en termes d'engagement et en termes d'effort et en termes de sacrifice. Donc parfois qui délaisse, je ne mesure pas le temps qu'ils passent dans les réunions, dans l'organisation, dans la réflexion, pour mener des actions, pour gérer, pour assurer une gouvernance qui soit correcte et en même temps fiable au sein de l'institution, mais en même temps qui réfléchisse à l'intérêt de l'islam, également à l'intérêt des musulmans de la ville et au-delà aussi. Donc c'est vraiment donc, en votre nom, chers frères et sœurs, donc, et celles qui nous suivent, donc, on leur je dirais, exprime notre remerciement les plus chaleureux pour tous les efforts et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut les gratifier. Je prends, si tu permets, Driss, juste la mosquée à travers tout le temps. Le temps, je dirais, la grande mosquée qui était la petite mosquée donc, de Sainte-Anne, la mosquée, la grande mosquée de Reims. Si je parle également aussi des autres mosquées d'une façon générale. Je pense qu'ils ont assuré un grand travail, que ce soit pour l'islam en tant que culte, pour la communauté en tant qu'une communauté de foi, la communauté musulmane, et également pour la cité d'une façon générale. Je parle par rapport à la communauté. Tout à l'heure, mon frère, le président, mon frère Mohamed, il a parlé, je dirais, de certaines activités, le secrétaire, le trésorier. Les activités de la mosquée, depuis longtemps, elles étaient diverses et variées. Il y avait la première, c'était la partie, je dirais, moi, ce que je considère la principale action et la mission de la mosquée, c'est celle de l'encadrement et de l'enseignement, de l'éducation, de la formation. Et je pense que, alhamdoulilah, la mosquée a réussi ce pari. À travers, je dirais, ces décennies, presque maintenant une cinquantaine, soixantaine d'années, et alhamdoulilah, des centaines, comme tu l'as dit mon frère Driss, des centaines, voire des milliers de jeunes qui ont passé par la mosquée, qui ont appris la langue arabe, qui ont appris à lire le Coran, qui ont appris les fondements de cette religion, qui ont aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à au soutien, grâce à l'accompagnement de la mosquée, ils ont pu aujourd'hui donc réussir dans leur vie, je dirais, sociale et aussi donc professionnelle. Deuxièmement, c'est le côté social qui est très important. Tout à l'heure, vous avez cité juste quelques-unes de ces activités sociales envers les étudiants, envers les plus démunis, mais également, je pense qu'il y a d'autres activités principales, c'est au sein des familles. Le rôle aujourd'hui que notre cher imam Sir Amar a fait, ce qu'on appelle la médiation familiale entre les époux, entre les parents, entre les enfants. Et je sais que c'est un travail qui est très important, qui lui prend beaucoup de temps. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est l'institution aujourd'hui, la mosquée, qui fait ce travail. Le travail de l'enseignement, de l'éducation, le travail de la médiation familiale, le travail social, le travail même culturel et artistique. Le travail également de la présentation de l'islam à nos concitoyens. Il faut savoir qu'alhamdoulilah, la grande mosquée est aujourd'hui insérée dans la cité, elle est ouverte à tout le monde, elle n'est pas fermée exclusivement pour les musulmans, donc à tous les non-musulmans qui souhaitent découvrir l'architecture, la mosquée, comme ça a été dit par notre frère Rachid, le secrétaire, mais également découvrir donc l'islam dans ses enseignements. La mosquée, je pense qu'alhamdoulilah, ce rôle, la mosquée, il joue. Il le joue, il l'a joué, il le joue encore bien. Et il a encore besoin de soutien, hein, et aussi donc d'aide pour qu'il continue à jouer donc, cette mission qui est la mission principale de la mosquée, qui a été, à mon sens, à travers toute l'histoire de l'islam. La première mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place en Médine, la première, je dirais donc, comme ils disent les savants, la première mission, la première tâche, c'était d'abord de fédérer, rassembler. On a le tawhid. On a le tawhid aux musulmans,
Il y a quatre missions que les savants ils ont définies à la mosquée. Al-Tawhid, Wal-Iqad, Wal-Tanwir, Wal-Ish'a. Quatre. Al-Tawhid, c'est le faire de fidélité. Rassembler, fédérer les musulmans, parce qu'il s'agit d'une communauté de foi, comme Allah Azza wa Jalla dit, innama al-mu'minuna ikhwa. Et la mosquée, c'était la première mission, c'était de fédérer, de rassembler. Et alhamdoulilah, ici, on le voit dans notre mosquée, combien de personnes, aujourd'hui même, les responsables entre nous, c'est grâce à la mosquée qu'on s'est fait connaissance, alhamdoulilah, qu'on a fait connaissance, qu'on a pu établir des relations, que peut-être entre des frères qui se sont mariés ou leurs enfants se sont mariés, c'est alhamdoulilah, donc, je dirais, au rôle de la mosquée. La deuxième, c'était l'iqad, le rappel, l'éveil. Et la troisième, c'était l'enseignement, tanwir, c'est l'enseignement, la transmission du savoir hein, et de la connaissance islamique. Et l'isha'a, c'était le rayonnement hein, sur la cité. Et je pense, et c'est là où je vais, inch'Allah, juste m'arrêter, il faut ce rôle, il a été, je dirais, assuré grâce, non seulement aux responsables, mais grâce au soutien de tous les fidèles, toute la communauté. Cette grande mosquée a été réalisée, certes, comme tu l'as dit à Khidris, avec le soutien de nos partenaires, de nos bienfaiteurs à l'étranger, au Qatar, alhamdoulilah, qui était généreux, mais parce qu'ils font partie d'une communauté. C'est pour cela qu'ils ont donné. Et nous sommes tous allés dans une communauté, mais également la communauté musulmane d'Oras, qui a donné beaucoup, qui s'est sacrifiée. Alhamdoulilah, il ne faut pas l'oublier. Donc, surtout cette réussite, alhamdoulilah, c'est une réussite qui n'est pas dédiée seulement aux responsables de la mosquée, mais c'est une réussite qui doit être allez, partagée par tous les musulmans de Reims. C'est une fierté pour tous les musulmans. Et ce travail donc, a été fait par le soutien et la solidarité. Je pense que c'est ça, nous, chers frères et sœurs, qui nous suivent aujourd'hui. La mission de la mosquée, elle ne peut pas continuer s'il n'y a pas encore donc, votre soutien, s'il n'y a pas encore votre aide. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une communauté, nous appartenons à une communauté de foi, l'Ummah l'Islamia. Allah Azza wa Jalla a qualifié l'Ummah l'Islamia dans le Coran et dans la tradition des prophètes, Anna Ummatul Mutarahima, solidaire, qui fait du bien, qui s'entraide, qui est clémente, qui est miséricordieuse entre elles. Et justement, c'est pour qu'ils puissent conjuguer tous les efforts, pour arriver à cette finalité, donc assurer donc, la transmission des messages de l'islam. Pour notre future génération dans ce pays, mais également transmettre notre belle religion à nos concitoyens aujourd'hui qui nous entourent. L'islam, comme on le dit toujours, il n'est pas envoyé seulement aux Arabes, c'est une religion qui est pour toute l'humanité. Et nous avons, nous, aujourd'hui les musulmans, non seulement les responsables, mais la communauté, nous avons cette ce devoir et cette responsabilité de transmettre comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Dans un autre verset, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas. Donc la mission, nous avons fait de vous dans une communauté de juste milieu afin que vous soyez des témoins. Donc la mission des témoignants, ça veut dire la mission de transmettre ce message de l'islam premièrement à notre future génération et deuxièmement à nos concitoyens. Hein? Donc il fait partie de nos devoirs aujourd'hui, notre devoir collectif, non seulement des responsables, mais nous, la communauté d'une façon générale. Donc c'est pour cela, chers frères et sœurs, je vous invite, plus que jamais, à chaque fois on le dit, donc, d'être encore solidaires. Aidez-nous, aidez vos frères justement à assurer cette mission qui est très lourde. D'abord la gestion de la grande mosquée, et deuxièmement la gestion du culte, la transmission de cette belle religion à nos futures générations et également à nos concitoyens, parce que nous avons le devoir de leur transmettre ce bienfait qu'est l'islam. Ils ont le droit aussi hein, donc de connaître cette belle religion et de la savoir. Et en même temps, il faut, inch'Allah ta'ala, donc qu'on soit donc, plus solidaires. Donc c'est pour cela que je vous invite, inch'Allah, à faire des dons à partir de ce soir. Soit via donc, les virements bancaires, je pense que vous avez les coordonnées bancaires, donc pour ceux, inch'Allah, qui sont connectés, ils ont les moyens, surtout les jeunes, alhamdoulilah, qui ont les moyens, donc vous pouvez juste avec, un clic, hein, rentrer, faites un don, vous avez les coordonnées bancaires, vous avez, alhamdoulilah, donc la possibilité d'appeler, donc vous avez un numéro de téléphone, il y a les responsables, inch'Allah, ils peuvent vous recevoir à partir de demain, inch'Allah, à la mosquée, vous faites vos dons en espèces ou en chèque. Et vous avez, alhamdoulilah, tous les moyens, pour, inch'Allah, contribuer à,
je dirais, à part à relever ce défi qui est commun, parce que c'est un défi qui est commun à toute la communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on doit, inch'Allah ta'ala, assurer donc la transmission de cette belle religion à nos enfants et à nos concitoyens, inch'Allah ta'ala, d'une façon générale. Allahu ta'ala, a'la wa a'lam, inch'Allah. Barakallahu fiik, wa yajibu al-khayr, pardon. Khouna Abdel Kabir, la hafdak. Voilà donc là, il est 23h02. Il nous reste une demi-heure, à peu près un quart d'heure, Inch'Allah. Voilà pour finir cette première. Donc là, on aura Inch'Allah l'occasion, mes chers frères et sœurs. Donc n'oubliez pas le numéro de téléphone, n'oubliez pas donc le. Donc là, comme il l'a annoncé le frère Abdel Kabir, concernant donc là les activités qu'on vient de présenter, il y a bon, d'autres activités peut-être qu'on a oubliées. Et c'est pour cette raison qu'on est là, c'est pour faire cet appel à votre générosité, hein, il faut le savoir. Subhanallah Adim, donc cet édifice nous a coûté de l'argent, beaucoup d'argent, mais une grosse partie de cet argent, c'était vous. C'était Subhanallah Adim, l'air et moi. Il faut savoir que donc Arras, c'est vrai, si on peut dire ça comme ça, donc là on n'a pas une classe sociale assez. Voilà. Donc, alhamdoulilah, c'est une classe sociale modeste, mais malgré ça, comme l'a dit le frère Abdel Kabir, donc il y a eu beaucoup de sacrifices. Et moi, je me rappelle, subhanallah, c'est vrai, il y a des fois, quand on se rappelle, quand on faisait les appels aux dons, quand on collectait de l'argent, on voit des frères, les larmes aux yeux, quand on voit, bon, je ne sais pas moi, un papa qui lève la main pour dire, moi, je donne, voilà, je m'engage pour 1000 euros. Répartir, je ne sais pas moi, sur 10 fois, et juste après son fils, je vais pas donner le nom, mais bon, j'ai le nom en tête, hein. C'est une famille franchement qui nous a toujours surprise, hein. Après le deuxième fils là qui lave la main pour eux, et ainsi de suite, donc c'est on a fait le khair, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc là, vraiment, c'est comme un concours, hein. Mais parce que, voilà, ils ont compris. Donc, c'est pour ça, mes chers frères et sœurs, mes chers fidèles, Allah yahfadna wa yahfadkum, Allah subhanahu wa ta'ala taqabbalna minna wa minkum. Il faut savoir que on a entendu plusieurs versets, plusieurs hadiths du prophète, alayhi salatu salam. Je vais, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Un de nos frères, là, une fois, nous a fait vraiment part ici, visiter à Reims, et j'oublierai jamais. Hein. La première fois que j'ai compris ce verset, c'était en 2006 exactement. Subhanallah wa alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, la da'ud bilam shtanajim, donc dans Surat Yassin, inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Et la première fois que je comprends ce verset, ce frère qui nous a visité, donc là, il nous parle, il nous a sorti ce verset. Après, je me suis dit, bon, ça fait longtemps, ça plusieurs reprises, j'ai entendu ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, nous ressuscitons les morts, hein, nous écrivons ce qu'ils ont avancé dans cette vie-ci-bas, c'est-à-dire leurs actes, voilà. Et après, il a rajouté, Allah subhanahu wa ta'ala, wa atharahum, ça veut dire, et leurs traces. Quand on parle de traces, donc là, bon, ça a été interprété, il y a plusieurs interprétations. Et là, en parlant de traces, donc là, c'est-à-dire, donc là, ça peut être les pas que l'être humain ou bien que le musulman a accompli et a fait sur terre, mais il y a aussi une autre interprétation, à savoir les empreintes. Est-ce qu'ils ont laissé des empreintes derrière eux ? Allah yahfadkum. Donc, j'ouvre cette parenthèse et je vous cite ce verset pour vous dire que voilà, on aimerait bien que vous laissiez une empreinte derrière vous. Que vous laissiez une trace, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset vraiment magnifique, il fait la part des choses entre nos actes et ce qu'on va laisser derrière nous. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? Et bien derrière nous, comme il a dit le prophète, vous connaissez le hadith. Idha mata ibn Adam qata'a 'amalu illa min thalath. Donc là, quand le fils d'Adam donc là, décède ou bien meurt, il y a trois choses qui restent, qui font vraiment alimenter son compteur, hasanat. Ou bien, Sayyiat, bonnes ou mauvaises actions. Mais nous, on vous ouvre cette porte de bonnes actions, Inch'Allah.
pour que vous puissiez laisser vos traces, vos empreintes derrière. Alhamdoulilah, déjà dans cette belle mosquée, vous avez participé, ça peut être 10 euros, 15 euros, 20 euros, peu importe. Et quand, il y a des jeunes, alhamdoulilah, ils font des... Hein, là, je m'adresse aux jeunes. Il y a des jeunes qui laissent subhanallah, des prélèvements de 10, 15, 20 euros. C'est quoi? C'est un abonnement chez Orange ou chez Free. Mais il faut savoir aussi, il y a des papas, comme il a dit le frère Khalid Biyash, il y a des papas là, hein, Khalid, quand on voit par exemple les donateurs, on a un tableau et on voit des papas qui sont plus de ce monde. Ils donnent encore leurs femmes, leurs enfants, laissent ce prélèvement. Sa'adatum. Alhamdulillah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est pas donné à n'importe qui. Donc, je vais laisser, moi, après ma mort, Inch'Allah, je vais laisser ça à mes enfants et à ma femme. Que ce prélèvement reste même après ma mort. Parce que j'ai vu que ces frères, que ces papas, qui sont plus de ce monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, laissent. Donc, mes chers frères et sœurs, Allah yahfadna wa yahfadkum, mana qasama lum min sadaqa. Wallah al-azim. Quoi que tu donnes, Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pourra pas t'arnaquer, t'inquiète pas. Hein? Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit yukhlifuhu, yukhlifuhu, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il va te redonner plus que ce que tu as donné. T'inquiète pas. Hein? Tu as des charges, tu as des loyers, ta. Mais bon, il faut savoir que la mosquée, hein, donc là je parle sous le contrôle de notre frère trésorier, je suis vice-trésorier, mais bon, tout à l'heure, avant le photo, avant la rupture du jeûne, on a regardé un petit peu. Et c'est vrai, comme il l'a dit Mohamed Bouzagou, notre président, on a des charges, on a. Et c'est vous qui payez ces charges. C'est vous qui vont payer, Inch'Allah, qui allez payer, Inch'Allah, les activités que cette belle mosquée mène. Allah yahfadna wa yahfadkum. Donc rappelez-vous, Allah yajazakum bikhair, ce verset. Hein, j'aimerais bien que ça rentre. Wallah, Inch'Allah, vous allez vous le rappeler. Quand on se rappelle que je veux laisser une empreinte, je veux laisser une trace, sache que si tu laisses pour cette belle mosquée un fidèle lambda qui prie ou bien qui vient ouvrir le Saint-Coran pour lire, tu auras une part de ces récompenses. Tu l'auras, sûr et certain, même après ta mort, Inch'Allah, Rabbil Alamin. Allah yahfadna wa yahfadkum. N'oublie pas, donc là, pour nos frères, les techniciens là, qui sont à la régie, donc, ils passent bien sûr la bande, hein, concernant nos coordonnées bancaires. Et n'oubliez pas, il y a un numéro de téléphone que j'ai communiqué tout à l'heure, le 06 05 69 72 52. Ça y est, je l'ai appris par cœur. Alhamdulillah. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On attend vos questions. On attend vos échanges. Inch'Allah, Rabbil Alamin. Hein? Il faut aussi qu'il y ait un échange, Inch'Allah, entre nous. Et des propositions, des suggestions, des critiques, des remarques. On est ouvert à tout. Il faut savoir. Ça, avant que j'oublie, Inch'Allah, Rabbil Alamin. Comme l'a dit le frère Abdel Kabir Allah Hafdo tout à l'heure, là, les frères qui sont là autour de moi, c'est-à-dire les membres du bureau, ils sont là, ils sont là, c'est pour vous, ils travaillent pour vous et pour la mosquée, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala jazéhum, mais on aimerait bien aussi avoir vos idées, vos réactions, vos remarques, ça il faut le savoir, parce que la mosquée, elle est à vous. Ce n'est pas à Mohamed Bouzagou, ni à Khalid Biyash, ni à Rachid Moumni. Hein? La mosquée est à vous. C'est la mosquée de nos frères et sœurs, hein? Fidèles, rémois. Allah yahfadna wa yahfadkum. Je sais. Après Mohamed Bouzagou, oui. Si tu veux rajouter quelque chose. Oui, juste, on a eu une question d'un frère donc, qui demande est-ce que l'action urgence étudiant qui a débuté avant le ramadan va continuer après le ramadan? Donc, Barclay Café pour cette question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'action qui a démarré, l'action de soutien et d'aide aux étudiants, a démarré il y a quelques mois. Et elle s'est arrêtée, en fait, avec la mise en place de l'autre action qui s'appelle Solidon, cette épicerie solidaire. Alhamdoulilah, cette épicerie solidaire permet aux étudiants, aux familles modestes, de pouvoir faire leurs courses gratuitement. Donc la personne arrive, fait ses courses gratuitement. Voilà, c'est un vrai confort qu'on va offrir, Inch'Allah, aux étudiants. Donc l'action étudiant urgence, qu'on avait appelée l'urgence étudiant, s'arrête. Par contre,
dans cette continuité, il y a cette épicerie solidaire qui se met en place. Juste, Khedri, si tu le permets, je voulais dire un dernier mot. Nous arrivons aujourd'hui vers la dernière ligne droite de ce mois béni de Ramadan. Si la générosité, le partage et la solidarité sont des vecteurs, sont je ne trouve pas le terme, sont des, aidez-moi les frères, comment on dit, sont des vecteurs qui sont ancrés en nous, ou des principes qui sont ancrés en nous, alhamdoulilah, cette ultime et dernière décade est une merveilleuse occasion. C'est une merveilleuse occasion justement de les mettre en avant et de les célébrer encore davantage. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous vous offrons l'occasion et nous vous offrons cette merveilleuse occasion de pouvoir mettre en avant ces bienfaits. Donc aujourd'hui, comme l'a dit le frère Driss, nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, la mosquée a besoin de vous. Donc n'oubliez pas, ne nous oubliez pas, n'oubliez pas votre mosquée. Sans vous, la mosquée ne peut pas fonctionner, très clairement, comme l'ont dit les frères. Ne nous oubliez pas, à travers vos invocations, ne nous oubliez pas et n'oubliez pas votre mosquée à travers vos dons. Vous avez différentes possibilités, alhamdoulilah. Vous pouvez soit nous appeler au numéro qui s'affiche et faire une promesse de don. Vous pouvez également vous connecter sur Internet et faire un don via PayPal. Et vous pouvez également faire un virement puisque vous avez les coordonnées bancaires qui s'affichent également. Et un dernier mot à Khedri, si tu le permets. J'ai aujourd'hui une pensée toute particulière à tous nos frères et sœurs défunts. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les accueillir parmi son vaste paradis. Et une pensée toute particulière d'un frère de notre papa, Hajj Ezouri, qui est décédé cette nuit. Et on a une pensée toute particulière pour ses enfants et sa femme. On demande à Allah Azza wa Jal de l'accueillir dans son vaste paradis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les faire patienter dans cette difficulté, dans cette épreuve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Tabarakallah fik, akhi Mohamed. Inch'Allah, je vais donner la parole, Inch'Allah, à Rachid pour un dernier mot, Inch'Allah. Tabarakallah fik, Idriss. Donc juste pour... On n'a pas eu le temps de vous présenter toute la palette d'activités qu'on fait au sein de la Grande Mosquée de Reims. Mais alhamdoulilah, on peut être fier des activités, de toutes nos activités, alhamdoulilah. Nos activités phares, comme l'a dit Akbé, c'est l'enseignement, c'est le dialogue social, le dialogue intergénérationnel, alhamdoulilah, qui se fait, qui s'est fait, qui se fera encore. Ça, c'est une grande fierté de notre mosquée. On peut être fier aussi de l'enseignement du Coran qui se fait au sein de notre mosquée, qui, grâce aux parents, grâce aux élèves, grâce aux intervenants, c'est une fierté pour notre mosquée. Quand on reçoit des invités de l'extérieur et qu'on leur explique et qu'on leur montre l'apprentissage au sein du Coran, au sein de notre mosquée, c'est une fierté aussi. C'est une fierté aussi d'avoir un institut au sein de nos locaux. Aujourd'hui, beaucoup de gens adultes ont pu apprendre le Coran, ont pu apprendre ne serait-ce entre guillemets que la langue arabe, grâce à l'institut qui est à la disposition de la communauté musulmane. Ça aussi, c'est une fierté de la Grande Mosquée de Reims. Une autre fierté encore, excuse-moi Dali, je vais insister sur la fierté de la Grande Mosquée de Reims, qui grâce à vos dons, grâce aux bénévoles, grâce aux responsables, c'est aussi, surtout grâce à Allah bien sûr, mais c'est grâce aussi à nos aînés, à nos grands frères, à nos papas qui nous ont appris, qui nous ont orientés. Et alhamdoulilah, si aujourd'hui on a des locaux et on a des activités, c'est aussi grâce à eux. Donc une pensée, Inch'Allah, à nos grands frères. On ne va pas tous les citer, mais ils vont se reconnaître, Inch'Allah. Grâce à eux, si nous on est là aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est grâce à Allah, mais c'est aussi grâce à eux. Et une fierté aussi à toutes les activités qu'on fait au sein de la Grande Mosquée, aussi bien visant les musulmans que vers les non-musulmans. Aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce
au travail qui se fait depuis plus de 30 ans, on a une reconnaissance sur le terrain aussi bien de la communauté qu'aussi bien des autorités. Et alhamdoulilah, c'est aussi une fierté. Donc encore une fois, continuons sur la fierté de la grande mosquée de Reims et de votre grande mosquée, de l'Amsir. Profitez, comme on l'a dit, et on va le répéter encore, de cette dernière décade. Aidez-nous, aidez-vous. C'est pour vous, c'est pour nous. On est là à votre disposition. Mais profitez de cette dernière décade pour donner pour votre mosquée, pour donner pour vos enfants, pour donner aux générations qui vont venir après, Inch'Allah. Et qu'Allah agrée nos actions, vos actions, Inch'Allah, et vos dons, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Et encore une fois, si vous avez des questions, il y a le numéro qui s'affiche en bas. Il y a sur la page Facebook, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos remarques, de vos suggestions. Barakallahu fikoum. Barakallahu fikoum. Barakallahu fikoum. Une pensée aussi, parce que là, parce qu'on risque de l'oublier, tout à l'heure on a parlé des... frère Khalid Biyech a parlé des repas, les trois, donc trois par repas par semaine, hein, donc lundi, mercredi et vendredi. Il ne faut pas qu'on oublie les mamans, hein, les mamans qui viennent donner, mais c'est vrai, parce que là, elles sont entre, voilà, entre les deux, donc là, bon, elles se déplacent jusqu'ici, à notre cuisine pour préparer, et après elles vont retourner pour préparer la cuisine pour leurs propres enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve du feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, donc ce qu'on peut dire, Allah subhanahu wa ta'ala est témoin. Et il va les récompenser, Inch'Allah, parce que c'est pas évident, hein, de passer des heures et des heures derrière le fourneau, comme on dit, pour cuisiner. C'est pas pour 10 personnes, ou 3 ou 4, ou une petite ou une famille. C'est pour des centaines de personnes, c'est pas évident. Allah yahfadhom, inshallah, ummahat, les mamans. Un deuxième rappel, depuis, alhamdoulilah, depuis le mois de Sha'ban, donc là on avait mis en place, bien sûr, avec l'aide de frère Sa'ama, le frère Abdelkabir, le frère Hajj Saïd, des interventions hebdomadaires. Et voilà, donc. Et depuis le mois du Ramadan, donc alhamdoulilah, il faut savoir qu'on a une mission, donc là, bon, une émission, pardon. C'est une demi-heure avant la rupture du jeûne. Voilà, une intervention tous les jours, alhamdoulilah. Vous pouvez donc la suivre, ces interventions. N'oubliez pas que le vendredi, donc c'est réservé pour, bon, c'est vraiment question-réponse, Inch'Allah. Et voilà, donc j'aimerais bien aussi vous annoncer, donc là, pour samedi prochain, Inch'Allah, on aura aussi, donc, un moment à partager ensemble. Donc ça va être la nuit du destin, peut-être. Parce que bon, peut-être, je dis peut-être, donc, parce qu'on ne sait pas si c'est la veillée du 23 ou du 21 ou du 25 ou bien du 27 ou bien du 29. Donc, comme il l'a bien précisé le frère Mohamed, donc cette troisième décade, l'Ashr al-Awakhir, il faut profiter un maximum. Et c'est Omar tout à l'heure, il a fait le rappel. Allah yahfadna wa yahfadkum. Donc là, quand on dit on profite, il faut profiter toutes les actions possibles et imaginables, Inch'Allah rabbil alamin. Et c'est pour ça, nous, comme il l'a bien dit, c'est Akhoula Mohamed Bouzagou, voilà, on vous ouvre cette porte, Inch'Allah. On ne sait jamais. On ne sait jamais parce que Laylat al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit Laylat al-Qadr, yuqaddaru fiha. Allah subhanahu wa ta'ala donc dévoile le destin de toutes les créatures pour l'année à venir. On ne peut pas savoir. Donc ça serait pas mal. Et c'est-à-dire l'invocation ainsi que le sadaqa, ainsi que l'aumône. Donc ça agit ou bien ça interfère. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Allah yahfadna wa yahfadkum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala taqabbal minna wa minkum. Donc n'oubliez pas, Inch'Allah. Allah yajazikum bi khair. On est là et la semaine prochaine on sera là, hein, Inch'Allah. Voilà, pour vous et pour notre belle mosquée. Parce que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, annahu yuhibbuna wa yuhibbukum. Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, comme une belle parole. Si tu veux savoir ta place auprès d'Allah, regarde où il t'a mis. Je le dis en français parce que, bon, en arabe, je n'ai pas les termes exacts, mais c'est une très très belle parole. Rappelez-vous,
Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te facilite les choses, parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, parce que au fond de toi il y a du bien. عندما الله سبحانه وتعالى يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Ce que tu touches ou bien ce que tu vas voir, tu vas atteindre comme bien, ça vient d'Allah. Mais ce qui est mauvais, c'est nafsek, c'est toi. Donc alhamdulillah, si Allah subhanahu wa ta'ala donc te facilite pour appeler sur ce numéro 06 05 69 72 59 ou bien tu vas noter les coordonnées bancaires, sache que Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qu'il y a au fond de ton cœur et te facilite, inshallah, Allah yahfadna wa yahfadkum. Donc pour clôturer, inshallah, je vais céder la parole à notre frère Abdel Kabir et on fera, inshallah, la clôture de cette belle soirée avec une dua, inshallah. Allah yaj'alna, inshallah, min al-mukhlisin, min al-mutasaddiqin. Amin, Rabbil Alamin. Akhi Abdel Kabir, Allah fik, si tu permets. Faire un rappel, inshallah ta'ala, il faut insister, bien sûr, parce que, alhamdulillah, nous sommes une communauté, il y a des conseils. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes une communauté de bienfaisance, communauté de solidarité, d'entraide. Donc, inshallah, nous parlons les choix de l'Ummah, de l'Tadamon, de l'Ta'awon, au service de l'islam, au service des musulmans, au service de la société, au service du bien d'une façon général. La deuxième chose, tout ce que ça a été dit, je ne vais pas le répéter, donc on doit être, inshallah, solidaire pour que les frères responsables, pour que la mosquée continue à assurer la mission de, voilà, d'être au service de l'islam et des musulmans et de la cité d'une façon générale. Deuxièmement, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man fatah فإنه لا يدري متى يسد عليه. Si Allah, comme il a dit le prophète dans une parole de sage et en même temps globale, jami'a, globalisante, ou mujammi'a, si Allah il t'ouvre une porte de la bienfaisance, il faut courir justement à cette porte avant qu'il soit clôturé. On ne sait pas quand elle sera clôturée. Donc c'est pour cela, inchallah, la porte de la bienfaisance, de sadaqa, elle est ouverte à partir de ce soir pour la mosquée. Comme on l'a dit, donc c'est pour votre mosquée. Donc n'hésitez pas, inchallah, à partir de ce soir, donc faire un don, appeler, faire une promesse, si au moins d'avoir l'intention de faire un don. Allah qala insana yulikhu lamma inas inas bin niyya annahu sayanwi annahu yatasaddaq. Allah azza wa jalla tuwafa, yani a'tiyatak al-ajr. Donc mourir au moins avec l'intention de faire du bien, si Allah azza wa jalla il te prend, yani l'âme, ton âme, s'il prend ton âme, Allah Azza wa Jalla, il va te donner la récompense selon cette intention justement que tu avais avant de dormir. Donc inshallah, qu'on soit solidaire, qu'on donne à Yulikhwa, et inshallah ta'ala, tout ça, donc c'est pour inshallah ta'ala, pour nous-mêmes, et en même temps, comme on a dit tout à l'heure, donc pour l'intérêt général de notre communauté et de notre cité d'une façon qui est générale. Dua inshallah ta'ala, nas'alullah ta'ala Yulikhwa, an yarhamana jami'a, bi rahmatin wasi'a. وأن يسترنا بستره الجميل وأن يلطفنا بلطفه الكريم. اللهم اهدنا فيمن هديت، تولنا وهدنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. آمين. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا مولانا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واغفر زلاتنا واجعلنا برحمتك في الندي الأعلى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. آمن روعاتنا واستر عوراتنا واغفر زلاتنا واجعلنا مولانا في الندي الأعلى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأخوالنا وخالاتنا وعمامنا وعماتنا ولأجدادنا ولمن له الحق علينا ولمن نشهد مشايخنا وعلمائنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم يا رب رحمتك الواسعة كل مرضى المسلمين في هذه المدينة وفي كل مكان، وارحم برحمتك الواسعة مرضاهم يا أرحم الراحمين، وشافيهم بشفائك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفيهم إنك واشفيهم يا أرحم الراحمين، واشفيهم إنك أنت الشافي يا أكرم الأكرمين رب العالمين. اللهم اشفي أنت الشافي شفاء
لا يغادر سقما. اللهم اشفهم بشفائك الذي لا يغادر سقما. اللهم اشفهم بشفائك الذي لا يغادر سقما. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الإخوة والأخوات الذين يساهمون في الأنشطة داخل هذا المسجد، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم أعمالهم ويجعلها خالصة لوجه الكريم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم صدقات يا أرحم الراحمين، وأن يدفع منهم عنهم البلاء، وأن يرفع عنهم الهموم والغموم، وأن يرفع درجاتهم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحفظ بهذه الأعمال وهذه الجهود وهذه الأموال التي ينفقونها، أن يحفظها من كل سوء، وأن يحفظها من كل مكروه، وأن يحفظ أولادهم وذرياتهم يا أرحم الراحمين، ويجعلها رحمة وبردا وسلاما على أرواح أمهاتهم وأبائهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الأمهات الذين يحضرون الأكل بالنسبة للطلبة وبالنسبة للإخوة المحتاجين، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم أعمالهم ويجعلها خالصة لوجه الكريم. نسأل الله تعالى أن يدفع عنهم النار في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يرفع درجاتهم في هذه الدنيا وأن يرفع درجاتهم في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحفظ بأعمالهم هذا، أن يحفظ لهم، أن يحفظهم في صحتهم، وأن يرزقهم العافية في أعمارهم وفي أموالهم وفي أولادهم وفي أهلهم وفي بيوتهم، وأن يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كل من يتصدق لهذا المسجد يعني صدقة علانية أو في السراء أو في الضراء أو خفية، فنسأل الله تعالى أن يتقبل صدقاته وأن يجعل أعماله خالصة للكريم، وأن يرفع عنه البلاء والهم والهم والغم والحزن، وأن يجعل هذه الصدقات نورا له في الدنيا ونورا له في قبره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم مكن لدعوتك في الأرض وافتح لها قلوب الناس، واجعلنا من جندك الصالحين المصلحين الخالصين المخلصين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك يا مولانا تعلم الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله أوله وآخره، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله أوله وآخره، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر. اللهم اجعلنا من الذين يدركون العشر الأواخر في رمضان ويدركون ليلة القدر في هذا الشهر الكريم. اللهم يا رب اختم لنا بالحسنى في هذا الشهر، واجعلنا من عتقاء النار فيه يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.